Oops, I did it again. C'est les successeurs et on se retrouve pour une vidéo assez spéciale. Les princes, on suppose les princesses, on n'a pas grand chose dessus. Oui, mais en donc fan art sur, enfin déguisé en Britney Spears, en mode Britney Spears, et vous allez être content, mais bon, vous le savez déjà vu que vous avez vu le titre. C'est encore une fois notre dessinateur qu'on voit le plus dans, sur notre cette chaîne pour l'instant, Ishaya Stephens. Ouais. Donc surtout, n'hésitez surtout pas à retourner sur ses pages parce voilà, qu'il y en a partout. Voir les anciens. Voir nos anciens fanarts dessus et surtout d'aller voir sa page à lui. Sa page à lui, voilà, parce qu'il y en a plein. Et c'est Kylian qui nous a envoyé donc ce fanart. Et ça va être génial parce que moi j'ai jamais été fan de. J'étais un garçon et j'étais trop jeune. Britney Spears m'a jamais. Voilà. Mais princesse, ça fait partie de ton adolescence parce qu'elle avait les. Voilà. Et donc du coup, elle va essayer de voir de quel clip ou de quel. Parce que je pense que ça va être par rapport à des clips, oui, par rapport sûrement. À des modes. Elle va pas être. Sûrement. Donc on va être très curieux et on commence tout de suite par. Ah bah ça c'est. Baby One More Time. Il s'agit de Cendrillon. Oh, sexy. Elle rentre de. J'étais au bal hier soir. Ah, alors, qu'est-ce qu'on peut en dire? Bah, de toute façon, Ishaya Stephens, il a plus rien à prouver. Hein. Je pense qu'on l'a assez vu. Oui. Sexy là, Cendrillon. C'est sûr, hein, elle a pas de. Et par contre, il y a absolument rien qui rappelle. Bah, c'est le personnage, mais dans les vêtements de Britney Spears. Il y a rien, mis à part son visage, qui rappelle Cendrillon. Et sa coiffure. Qui le rappelle un peu, parce que tu sais, la grosse bouboule de Cendrillon à l'avant. Bah, c'est une espèce de frange. Ouais, de push-up frange. Ça doit être bizarre d'avoir une coiffure comme elle, quand même. C'est pas mal, c'est pas mal. J'aime beaucoup. Il y en a pas beaucoup, hein. Je pense pas qu'il y en aura beaucoup. C'est par rapport à un film qu'elle aurait fait, peut-être. Crosswords, ça me parle. En tout cas, c'est Réponse, Belle et Blanche-Neige. Ouais. Oui, le petit nœud, c'est Blanche-Neige, j'adore les films. Et tu vois les cheveux de Réponse. C'est vrai. Donc c'est peut-être par rapport à un film qu'elle a fait ou à un clip, mais moi ça me. Là ça me parle pas par contre. Ouais. Princesse, je te laisse débattre. Franchement, non, on reconnaît donc Belle, Réponse et Blanche-Neige, hein, on la reconnaît très, on très bien. Ma préférée c'est Belle, j'adore ouais, son style. Elle est classe. Je la vois bien dans une décapotable. Blanche-Neige, elle a subi le dilemme de la photo prise au mauvais moment, je crois. Non, Belle, elle est classe. Ouais, j'adore. Tout dans le vent, tu vois. Super belle. Ben, ça fait un peu les trois copines de lycée, tu sais. Oui, c'est ça. C'est avec ça. La blonde pulpeuse au milieu. Parce que Britney Spears, elle a bien fait des films. Oh, sûrement. Ah oui, c'est quasi sûr. Paris Hilton en a fait, alors. Suivant. Quel rapport avec Britney Spears? Peut-être que le titre de la vidéo ne s'appellera pas Britney Spears au final. Donc c'est Navin et Tiana. Ouais. Qui sortent en boîte, j'imagine, ou qui vont une soirée. Qui vont des Oscars, ouais, je dirais, moi. Et derrière, on devinerait je ne sais pas qui. Je ne sais pas qui, ouais. Mais je vois pas le rapport avec Britney Spears, là, pour le coup. Ouais. Donc, Kylian, qu'est-ce que tu nous as envoyé? En tout cas, c'est toujours Ishaya Stephens, donc... Oui, non, c'est on reste dans le thème, mais Tiana est toujours magnifique, avec des grands yeux, un beau collier. Mm. Et Navin, on dirait un cow-boy. C'est clair. Cow-boy riche. Oh, Pocahontas. Si, elle a fait un clip où elle est à moitié à poil, enfin forcément. Oui, c'est Britney Spears, donc c'est logique. J'aime bien Miko en Teletubbies. Ouais, c'est sympa. Ah oui, vraiment, Teletubbies. Bah dites-nous en commentaire si ça a un rapport avec Britney Spears. Hein. Alors, elle attend John Smith ou John l'autre? C'est une question. Répondez encore dans les commentaires. J'aime bien son ensemble. Ouais, elle est super. Elle est super bien. Ah, mais bien elle est classe, elle est au téléphone avec sa meilleure amie, tu vois, hier soir. PV. Ouais, j'adore. Il est bien. Il est vraiment cool. Mmh. Ah, bah ça, c'est son. Elle a chanté. C'est un live. Ouais, c'est un live. Si, elle a chanté un truc où elle avait un espèce de soutif comme sa verre et un boa sur lui. Ah bon? Ah bah alors c'est sûr. Je sais pas ce que c'est de la chanson, mais c'était pendant un concert. Bah du coup ça va super elle bien. Elle avait un boa sur elle. Ça va super bien avec Jasmine parce que du coup ça va avec le côté. Bah oui, c'est très oriental. Voilà. Là, pour le ça coup, rend. J'adore la tenue pour dire. Mm. Et ses bottes aussi, c'est super sympa. Hein. Bah en fait on dirait pas des bottes. Pour la première fois, Jasmine pour l'instant c'est presque ma préférée. Ouais. C'est rare. Hein. J'aime beaucoup l'harmonie en fait. Ouais, c'est une et les couleurs, les. C'est un fou ce mec. Hein.
Ah bah voilà, ça c'est le clip. Oups. Ah oui. C'est voilà, la chanson qu'on faisait tout au début. Voilà. Ouais, avec la tenue en plastique, mais l'entière. Il me semble qu'elle est toute noire, non, cette tenue? Non, non, elle est, non, elle est rouge aussi. Mais elle est rouge, mais. Non, non, c'est ses cheveux qui changent, un coup elle est blonde, un coup elle est. D'accord, mais ça c'est dans Toxic aussi. Toxic aussi, ouais, elle change beaucoup de cheveux. Et du coup, et... Ariel. J'aime bien sa tenue en plastique, non, c'est. Attends. Oui, c'est Ariel, oui. Ouais. Très sympa. Je l'aime bien aussi. Mais il s'appelle Oups. Oh! Ça c'est son bisou par rapport Madonna. À Madonna, ouais. Il s'adore Maléfique. Donc Aurore et ah, Maléfique, elle fait vraiment chicou. Et attends, en plus c'est Aurore et Maléfique qui sont un bisou, attention. Ouais, hein. C'est pas n'importe qui du on coup. Comprend pourquoi elle porte une robe aussi ample. Il est beau celui-là. Ouais. Ah, je l'aime vraiment, ouais. Il est... J'adore. Vraiment. J'aime beaucoup, donc du coup Aurore représenterait Britney. Britney et l'autre Madonna. Ouais, comme elle est un peu plus vieille. Magnifique. J'adore. Ouais. Ouh non, ça c'est dans Toxic. C'est dans Toxic. Alors Marine, tu t'en vas. Ça c'est sûr c'est toxique. Donc on a. Non mais c'est sûr aussi que c'est toxique parce c'est que je me rappelle aussi. Qu'elle a été vraiment ah, vrai, recouverte oui. De diamants. C'est vrai, c'est vrai. Elle se roule un peu par terre c'est et vrai, tout, ouais, ça ouais. A dû faire mal d'ailleurs. Mais oui, oui, elle a un tout petit string comme ça, ouais, elle ouais. A vraiment que des diamants pour habits seulement. Ouais, c'est et cool, c'est hein, pour le coup. Et j'aime bien parce qu'ils ont fait Anna dans l'avion, ouais. En hôtesse de l'air. Et Elsa en. Elsa en nudiste, diamantiste. On ne s'habille que de diamants. Elsa, pour voir qu'elle vit dans la neige, pas froid. Moi, je crains pas le froid. Bah, le froid est pour elle le prix ouais. De la liberté. Donc, oui. Bah, oui, c'est la liberté, ça. Oui, là, je comprends qu'il n'y ait pas beaucoup d'obstacles pour elle. Elle va dans un truc pour payer. Un petit diamant. J'adore. Très sexy et en même temps pas provoque. Ça reste. Moi, je trouve que ça va. Hein. Oui. C'est très joli. Work. Mulan. Alors, je vois pas le clip, hein. Mais bon, après, elle en a fait tellement. Moi, je suis pas non plus. Je connais pas ses chansons sur le bout des doigts. Ouais. Mais. Mulan. Elle dompte Mouchou. Voilà, c'est ça. Ou Shang. Ah, tu m'as fait bosser. Hein, couché, Shang, couché. D'ailleurs, j'adore les talons. T'as vu la forme qu'ils ont? Ouais. Lady Gaga. C'est ça. Sympa. Bon, elle a encore les cheveux longs. Hein. Voilà. Voilà. Bon, les princesses ont des traits pour le fait qu'elle s'est coupée les cheveux. Elle garde les cheveux coupés. C'est ça. Comme réponse, remarque. Ouais. Et voilà. Toi, ton préféré, c'était lequel? Moi, j'ai bien aimé le baiser. Ouais. Alors j'aime bien Jasmine aussi. Jasmine. Et Pocahontas, j'aime bien. Ouais, Pocahontas, Jasmine, Ariel, moyen parce que je trouve que le visage il est un peu allongé. Ouais, celui-là, il est bien. Celui de ouais, Maléfique et Aurore, sérieusement. Ouais, ouais. J'adore celui-là. Et vous? Quel est votre préféré? Toi, là je suis en train de faire des bordels avec la mise au point. Toi. Quel est ton préféré? Dis-le-nous en commentaire et surtout. Laisse des pouces bleus.